Merci de votre fidélité à Télé Plus, le sommaire pour démarrer cette édition. Le professeur Swaleh Kassenali, arrêté par l'ICAC ce matin, l'ex-ministre de l'énergie aurait perçu 6 billets d'avion et la somme de 500 000 roupies de la firme danoise BWSI, selon l'enquête de l'ICAC, pour avoir facilité les procédures d'appel d'offres dans l'affaire Saint-Louis. Le professeur Swaleh Kassenali, qui clame son innocence, a promis des révélations dans cette affaire. Il sera en direct dans cette édition. Aussi à la une ce soir, il brise le silence 5 jours après avoir été attaqué par 2 molosses. « Ces 2 chiens m'ont complètement détruit », affirme Binay Raghou. L'homme de 43 ans, encore sous le choc, se remet difficilement de ses blessures. Il déplore que personne n'a réagi et lui a porté secours malgré ses multiples appels à l'aide. Son témoignage dans un instant. Pendant ce temps, pas de liberté conditionnelle pour Rodi Venkatasamy, propriétaire des 2 Rottweilers. Il était face à une accusation provisoire de coups et blessures involontaires par imprudence. Il sera de nouveau traduit devant la justice le 30 septembre prochain. L'administration de la 3e dose du Sinopharm a démarré ce matin. Toutefois, l'engouement n'était pas au rendez-vous. Parallèlement, 102 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ce jeudi, dont 8 admissions à l'hôpital INT. Entre la crainte de l'introduction des variants de la Covid-19 sur notre sol et une reprise de notre secteur touristique, sentiment mitigé chez des Mauriciens à une semaine de l'ouverture de nos frontières. Reportage à suivre dans ce journal. L'ICAC reproche à Swaleh Kassenali d'avoir obtenu 6 billets d'avion ainsi qu'une somme de 500 000 roupies de la firme danoise BWSI. En échange, il leur aurait facilité la tâche pour obtenir le contrat de la centrale thermique Saint-Louis. À l'époque, Swaleh Kassenali était le consultant local de cette firme. Cet ancien ministre de l'énergie a été arrêté ce matin sous 2 accusations provisoires de corruption. Il a dû s'acquitter d'une caution de 75 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 150 000 roupies. Selon l'acte d'accusation, Swaleh Kassenali a obtenu ses gratifications de 2012 à 2019 chez Adjadou. Selon l'ICAC, la firme BWSC a fait appel à Swaleh Kassenali dans le cadre du projet de la centrale thermique Saint-Louis. Il avait pour mission de faciliter l'obtention de ce contrat de 4,3 milliards de roupies à la société danoise. En février dernier, la commission anticorruption avait perquisitionné son domicile à Vakoa et les enquêteurs avaient mis la main sur des cabinet papers et des documents du CEB concernant le projet Saint-Louis. Les limiers s'interrogent sur comment il a pu être en possession de ces documents confidentiels. Depuis décembre dernier, l'ICAC est sur la piste de cet ancien ministre de l'énergie, ce après avoir pris connaissance du rapport d'enquête de la firme danoise BWSC concernant cette affaire de corruption. À ce jour, le nombre d'arrestations est de 7. Parmi le directeur exécutif de la société PADCO, Alao Tingvun, l'ancien directeur général par intérim du CEB, Shamshir Mokoun, et le représentant local de BWSC, Bertrand Lagesse. À sa sortie du tribunal de Kirkpip, Swaleh Kassenali avait soutenu qu'il était un dommage collatéral de la présence de la FATF à Maurice. Nawaz Nobux en studio, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Swaleh Kassenali avait promis ce matin des révélations et il est en direct avec nous ce soir par Zoom, Nawaz. Oui, le professeur Swaleh Kassenali qui est en direct avec nous dans Info Soirée. Professeur Kassenali, bonsoir. Bonsoir Nawaz. Selon l'acte d'accusation de l'ICAC de 2012 à 2019, au fin d'obtenir une gratification de la part de la firme BWSI et de la part de PADCO, donc 500 000 roupies, c'est une somme qui fin évoquée, qui répond ce soir à sa ben accusation bien grave qui est n'accontou là. Ça m'a une accusation là, fausse. Sans fondement, basé l'eau ban prétexte. Quand l'ICAC, il fait moins face à sa ban allégation-là,
on pose la question, qui sont là, qui finit de moi casse, quand casse la été, ça m'intéresse une capable, dis à moi, qui sont là, une de moi casse, et quand casse une vine, côte moi. Donc, cette affaire de 500 000 roupies, elle est absolument fausse, et moi, je crois que l'ICAC peut servir toute une procédure pour tenir l'image d'une certaine personnalité. Deuxième affaire, soit les cas d'un, l'ICAC quand même, les pannes capables agir sans ben élément de preuve. Une saisie ben serveur à la compagnie Patco, et c'est ça ben serveur là qui peut livrer ce secret. Et paraît-il qu'il y a un message qui delete, mais ben expert informatique qui ne réussit retrieve ça ben message là, ça ben mail là. Et où non peut figurer maintenant, c'est ça ben serveur là qui peut livrer ça ben secret là. Mon nom pas une figurée avec l'information que mon gagnait. Dès qu'il met un code, et je ne mets prof K, un code. Mais mon pas travailler le code. Qui s'en a de mettre code là-bas? Pour quelle raison il met code? Si je tiens un, vous donne-moi K. Je suis besoin de mettre mon nom. Soit les cas scénarii. Je pas une série, mon nom. Je ne sais pas code simplement pour escamote. La vérité, le sakala. Alors, comment on fait, Manika, comprend cet après-midi, qu'il y a sens qu'ils ont mis là, les erronés, les farfelus, les peines n'ont aucun standing dans n'importe quel accord. Et, ben là, je ne persiste, on dit, maintenant, c'est finalement la cour qui est là pour décider si c'est vrai ou bien non, pas à la lumière d'une allégation. Qui finalement casse, sans aucune preuve, qui moi, mon gars, casse, capable, les autres, ils me disent, casse là. Mais pas moi, alors, je te servis ça. Mais professeur Cassinali, comment se fait-il qu'il n'ait plus travail dans CEB et ou en possession de même cabinet papers ou en profession de même papier stratégique, ben, document confidentiel, du CEB? Et d'après, ben, l'information, il paraît qu'il y a ça avec Jean-Michel Mokoun. Comment se fait-il qu'on n'est plus dans CEB et ou en possession de même document confidentiel? Beaucoup, ce ben document-là, c'est pas trop confidentiel. C'est ben papers qui CEB dit est confidentiel, mais la plupart, ce ben table. Ça m'a supply demand là, tu publiais d'un rapport que United Nations avec UNDP et European Commission en 2008-2009, tu publies ça. Ça m'a une information là, CEB servit ça pour préparer son propre table. Mon information, il y en a beaucoup, du monde, avouez-moi, une information confidentielle, anonymously, parce que je connais que moi, un expert dedans et certaines décisions qui je te prends, pas dans l'avantage Maurice, et parfois, quand vous gagnez un document-là, vous faites vous la voix entendre. Moi, dans la gazette, vous écrivez plusieurs articles dans la gazette pour dénoncer certaines décisions qui, parfois, le gouvernement prend, parfois, CEB prend, qui pas dans la direction ou dans l'intérêt le pays. Donc, mais pour ça, souvent, au fin exprime ben, l'opinion dans les colonnes de la presse écrite ou dans une ben, interview, me rappelle, tu peux évoquer un ben, risque de blackout, etc. D'après nous, l'information qu'il nous recueillait auprès de l'ICAC, l'ICAC, ben, enquêteur, pensait qu'il, au fin, ou comme un opinion leader sur le dossier énergétique, au fin exprime ben, l'opinion qui tonne à favorise l'allocation de ben, contrat à la firme danoise. Qui vous répond à ça? C'est absolument faux. Ben, décision qui, moi, m'exprimait, ben, opinion qui m'exprimait, c'est pas avantageux à n'importe qui compagnie. Il est avantagé dans l'intérêt du pays. Parce que chacun est dans sa propre appréciation. Qui sa pays là bien? Par exemple, un cas classique, quand tu commences à introduire IPP pour produire électricité à partir de bagasse et charbon de terre. Il y en a beaucoup de monde qui compte ça. Aujourd'hui, ça produit à peu près 60% de nos électricités dans ce pays-là. Le problème qui m'a dit hier, soi-disant, quand mon père prend position l'ON, mon père favorise BWSC. Il est fausse. Une question
qui nous demande la population. Clair et net. Et ça, les pouls enlèvent tout ban ambiguïté. Et vous faire l'appel à la compréhension du pays, du peuple mauricien. Ça, contrat qui BWRC gagnait en 2016. Ça, contrat-là, Tiawad, pas par Swali Kassali, pas par CB, ça, contrat-là, Tiawad, par Central Procurement Board, indépendant. Et Central Procurement Board, qui fait un tender exercise, et tout le soumissionnaire, et met d'autres projets financés. Et d'autres projets avec le coût. Central Procurement Board fait ce calcul, trouver qui l'offre de BWRC was the cheapest. C'est un point qui beaucoup de monde n'a pas réalisé. L'autre imagine 760 millions de roupies, soi-disant, in Dunbar. Le problème, Central Procurement Board, il trouvait que le prix qui BWS mettait, dit-il, l'OS, most competitive. Et le, sa raison-là, qu'ils ont fini donne BWS, sa contrat-là. Et ça, d'autres, rien. Alors, d'après le Premier ministre Pravin Jagnauth, passons savoir que le nom de Paul Béranger figure le rapport BAD, et beaucoup soupçonnent qui ou professeur Kassenali ou un type le lien entre BWRC et Paul Béranger. Qui vous répond à ça? Ça, c'est que Jagnauth vient dire, c'est que même à un certain moment, ben, l'enquêteur ICAC pose-moi la question. Est-ce qu'ils sont encore actifs dans la politique? Vous avez dit, qui ça est pour faire en ça? Est-ce qu'ils fin approche un leader politique pour lui faire lobby pour qui BWSI a un contrat? Vous avez dit, absolument fausse. La vérité, c'est que jamais, jamais sur Terre, Paul Béranger n'évoque le problème de BWSI à moi. Ouais. Mais donc, pas un secret pour personne qui est très proche politiquement de Paul Béranger. Oui, oui, mon professeur, et tout le monde connaît, mon professeur Béranger, mon professeur est même, moi pas actif comme moi était dans le passé, mais moi a beaucoup d'intérêt, beaucoup de confiance et beaucoup de respect pour ce que le MMM fait représenter dans le passé. Mais, cette fois-ci, quand je peux dire, je te les amène lui dans une certaine direction politique. Les, heureusement, un des fois, comme on dit, ben, enquêter à l'ICAC, parler de sa question-là, en temps et lieu, vous dénoncez, je reste tranquille, et dans la charge sheet que je l'avais contre moi-là, ben, aucune mention, là, ben, qui m'ont guette, ben, leader politique, pour mettre pression, pour qui, BWSI gagne sa compte. D'après la commission, pour un gros développement dans l'enquête dans les jours à venir, je peux dire, là, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Comment on peut trouver ça, l'enquête qui l'ICAC peut mener l'affaire Saint-Louis? Et, comment on peut trouver la suite des événements maintenant? Bon. Moi, je trouve, l'ICAC, lance un coup, faire un tapage dans l'enquête qu'il peut faire. Par exemple, moi, dernière fois qu'ils ont interviewé moi, c'était 8 mois de cela, en mars. Comment, après 8 mois, tout d'un coup, venir barreau, amènement on provisional charge. Et une seule explication, qui gaffe Timoris. Je suis allé la semaine dernière d'un aller. Les cas qui nous ont montré qu'il tape un bel coup, montrer Gaffi, it means business. Et nous connaît qui Gaffi imaginait de l'ICAC. Mon père a pu dire que tout le monde connaît ça. Et aujourd'hui, c'est réel dans sa ligne-là, qui fait un bon coup, fait un peu plus d'effet d'annonce. Alors, aujourd'hui, il met moi le provisional charge. C'est des points. Un, qui donne-moi 500 000 roupies, moi, je dénie ça complètement. Moi, je dis, je t'avais une preuve, je prends la preuve. Pourquoi quand on attaque un djimoun, quand on met un charge ou un djimoun, ou bien il y a une preuve qui n'est pas compromettre. Preuve directe, parce que je peux jouer avec l'honneur et la dignité d'un djimoun.
ben la peine du tout, aucune preuve directe qui moi n'a casse. Alors, moi j'ai ça à côté. Deuxième, le dire que j'ai ticket, 6 tickets avec BWSI pour Dubaï et les pays. Les vrais, vous êtes consultant de BWSI et contrat qui BWSI qui donne moi, qui, among other things, qui, moi, le road financement de ban pays arabes et pays du Moyen-Orient pour être capable de road l'argent pour développer ban projet de power project dans certains pays comme en Tanzanie avec compagnie Tanesco, ça dit dans un contrat qui nous signe avec BWSI, avec ban independent power producer en Pakistan. Mais professeur Kassali, en toute transparence, est-ce que vous êtes capable de dire à nous l'audience ce soir, comme consultant de la firme BWSC, en tout, qui montant ou touché comme honoraire, comme consultancy fees avec la firme danoise? Un sous mot pas touché, parce que le contrat qui est basé en ce que je t'appelle success fee. C'est-à-dire, on va faire un deal, les dépenses, si ça projet là matérialisé et si le taux d'intérêt c'est le taux d'intérêt compétitif là où négocier your deal là où négocier. Oui, mais est-ce qu'il vous pérou dire qui vous ne travaille pas de la firme personne pas pour croire qui vous agir comme consultant sans aucun sou, personne pas pour croire ça, professeur Kassenali. Non, dedans quand vous voyagez, quand on a voyagé plusieurs places dans le Moyen-Orient, on a acheté mon ticket et on a fait BWSC remboursement. Quand on a submit mon reçu de ticket purchase, on a soumis là-bas, et bien là, il faut être satisfait. Et on a acheté un ticket, tel prix, là, je remboursement. Je ne pas donner moi casse à la base. Et mon dieu, j'ai la ticket qui coûte ça. Moi, j'ai besoin de produire un reçu. Et puis ça, c'est un ticket qui m'a gagné pour voyager. Les besoins qui mon consultancy agreement valide. Parce que mon consultancy agreement avec BWSC, lui, tu peux renouveler en year to year basis. Vous vous rappelez une fois, j'ai demandé un ticket, mon consultancy agreement pas valable. Ou bien signé, envoyé, à la lumière de ça, qui nous peut rembourser le ticket. Aucun fees, aucune somme qui finit verser le compte ou bien le compte endo ou bien proche. C'est ce qui vous paye à nous ce soir? Non, absolument non. Vous donnez une garantie plus ferme. Un troisième point que moi, je voulais évoquer, dans charge, provisional charge qu'ils ont mis contre Samshir Makoun. Oui. Je dis à la provisional charge là, que Samshir Makoun, en liaison avec moi, les fins donne-moi certaines informations confidentielles. Et vous ne servez ça pour BWSI dans un contrat. Moi, je crois que dans provisional charge qu'ils ont pour mettre leur moi, je peux inclure sa charge là, ça disparaît complètement. Charge qu'ils ont mis le mois, c'est qui? Vous mettez 500 000 roupies par X, Y, Z que personne ne connaît et que vous mettez 6 tickets que vous justifiez fully. Maintenant, qui faire? Je n'enlève ça et Makoun encore suspend. Moi, je fais l'appel avec Ika. Try to be fair avec Makoun. Makoun, il le sent dedans. Il ne va pas donner aucune information technique. Aucune information confidentielle. Si je tiens là, je suis capable de soulever ça dans charge contre moi. Je ne vais pas me faire lire parce qu'ils ne connaissent pas vrai. Alors, on fait l'appel qu'ils retournent Makoun dans ce travail. Il y a une victime de ban Magouille qui finit là. Un autre point que moi, tu voulais encore poser la question. Je te connais. Pourquoi toi, dans une émission, tu ne soulèves pas? Comment se fait-il que l'ancien chairman de CEB, l'ancien chairman de CEB, lui qui est carré impliqué dans sa problème de comment appeler, PWSI,
Les gars, un email. En Macron, tu donnes ça email. Et en plus, Macron amène ça dans board. Il fait ça boucle là, avec tout ça background là, il n'a pas un appel, il n'a pas d'inquiété du tout. Ça, la grande question qui beaucoup du monde qui voulait une justice me pose la question. Donc, moi, je voulais que Macron retourne à son place, l'innocent, au plus vite que possible. Professeur Swaleh Kasinali, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, Mélanie. Merci, Nawaz. Voilà, Mélanie. Donc, le serveur a révélé que 500 000 roupies ont été versées à professeur K, Swaleh Kasinali, lance un défi à l'ICAC, aller prouver que le professeur K, c'est bien moi, Swaleh Kasinali. Donc, la bataille sera donc maintenant légale. L'ICAC devra produire des preuves en cours, mais d'autres développements majeurs sont attendus sur ce dossier dans les jours à venir. Merci beaucoup, Nawaz. Entre choc et indignation, Vinay Raghu, victime de l'agression sauvage par deux molosses survenue samedi dernier à la rue Mère Barthélémy à Port-Louis, se confie après 5 jours. Il raconte qu'il se rendait à la boutique du coin lorsqu'il a été surpris par les deux rottweileuses. Vinay Raghu affirme avoir imploré l'aide du voisinage, mais en vain. Il dit ne pas comprendre comment le propriétaire a pu laisser ses deux molosses sans leste sur la voie publique. Toujours admis dans une clinique privée, Vinay Raghu se remet lentement de ses blessures. Son témoignage. Ah bien, tu. Totalement bedridden, qui m'a plus besoin, lui de Jimoun qui fait vraiment manger. Pas elle-t-il des lichins, des colosses, bien, qui m'a dit, qui me détruit à moi, mais complètement, hein. Moi, je faisais ça à la boutique, m'a crié, quand elle est passée, m'a crié, m'a demandé, personne ne va sortir. Moi, je comprends, mais, qui fait Jimoun, comment, m'a pas comprendre. Je connais mon mieux, je ne vais pas trouver mon pôle vert. Je me viens tout en bas, je ne vais pas trouver, je me connais qui m'est passé. Je peux tendre 100 mots sur là, sentir les dents, tenter de me lâcher les yeux. Ça va, ça va, ce n'est pas grave. Ce qui me dit que je prenne la faute, après, ce qui dans la tête, je me passe à dire l'hôpital, après, c'est samedi dernier, si je peux aller, aller. Vous pouvez comprendre, c'est dans un moment donné que si je ne peux pas sortir, allez, là, qui vous voit tant nous pour l'ossimer. Je ne peux pas passer, je suppose, je dois être fort d'ailleurs. Mais je me dis ça direct là-bas, et on gagne le courage pour moi aussi. Et ça allait là, délicieux, sa race là, commence le chemin, et je suis toujours une main road. C'est-à-dire, si je n'ai pas de moi, je suis capable, un enfant, un vieux, non, je ne pas qu'une propriété là. Je ne pas qu'une propriété. Personnellement, je suis content d'animaux, moi aussi, franchement. Les chiens là, ils ne vont pas garder les yantos. C'est propriété là qui besoin. Maintenant, là, on peut se faire un animal comme ça. Maintenant, on peut délire à tuer du monde là aussi bien. Ou la clé. Mais la santé, je ne pas connaître avant tout que de poète, que la justice rende une délibération. Vous pouvez comprendre là, le moment où on connaît que de poète, mais l'État. Vous ne pouvez pas discuter de la santé, mais la justice qui bien connaît qu'il y fait. Je vous le disais en titre, Rodi Venkatasamy, le propriétaire des deux rottweilers ayant attaqué Vinay Raghu samedi dernier, reste en détention policière jusqu'au 30 septembre prochain. Les faits, vous le savez, se sont déroulés à la rue Mère Barthélémy à Port-Louis le week-end dernier. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Rodi Venkatasamy a comparu devant le tribunal de Port-Louis ce jeudi. Une accusation provisoire de coups et blessures involontaires par imprudence a été retenue contre lui. Le suspect fait aussi l'objet d'une interdiction de quitter le territoire. Entre-temps, la victime, Vinay Raghu, un comptable de 43 ans, a pu donner sa version des faits aux enquêteurs. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons. Nous vieillissons, nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Licorne Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau.
Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 5300 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yougo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yougo, application de réservation de taxi. Yougo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yougo dès maintenant. OVEC, largest virtual education fair on Wednesday the 22nd and Thursday the 23rd of September 2021 from 5 p.m. to 9 p.m. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. OVEC is an international National Awards winner. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama Œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie, autant de raisons qui causent les problèmes capillaires, la chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama Œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama Œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Eagle Brand Spices, présent plus qu'il s'entend dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en Saban Savella. Nous allons envoyer tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the spice master. Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle belle seul, exoli joli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. En seule l'adresse www.iflip.mu. Ifi Plus, lien service, le défi Media Group. Ifi Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Ils ont tout perdu dans un incendie cet après-midi chez les Bokori à Sainte-Croix. La tristesse se lisait sur les visages. Au total, 9 personnes sinistrées, dont un nourrisson de 13 mois. Ils étaient 6 adultes et 3 enfants à vivre sous un seul toit. Selon Anishta, une des résidentes, c'est à son retour de la boutique du coin qu'elle a constaté une épaisse fumée émanant de la maison. Les pompiers ont dû être sollicités pour maîtriser le sinistre. Ils se retrouveront ce soir sans toit. Témoignage recueilli par Christophe Swambert. Je ne pas connais. Donc, ce qui s'est constant, c'est arrivé. Vers midi, midi 5, voilà. Moi, ma mère, je suis sortie dans la boutique. Je ne pas même dans la boutique, je suis retournée dans le chemin. Je dis à ma maman, avec un morse, parce qu'on a une motine sur moi, il y a un chupot avec lui. Moi, avec un morse, je suis retournée. Je suis en train de me faire des choses depuis un an. Je me disais que je trappe si tu bébé, je garde mon grand temps. Et je suis rentré trop grand là. Même mon parent, je me suis dit que je suis en train de me faire des choses. C'est moi qui ai deux pieds à l'oreille.
Au fait, moi, je me suis bon, expliquer. Mon parent est qui me prend, c'est pas si je suis courant, c'est pas enfin, que c'est mon trop grand art, même côté de sortir comme moi. En fait, moi, on a 9 personnes, 3 en, 3 en bas d'âge, et ça, nous nous trouvons à zéro. Mais dans notre nièce, qui est un lien qui ne peut pas ni gilet, ni cousse, ni bibon. Mais dans notre des enfants qui, tous les petites choses, brûlent, ils ont juste l'insau, nous, et nous écoutons tout le monde. Rien. Non, il n'y a pas de rester. Nous avons besoin de ni bois de gobelet. Ni un goût de gilet aussi, nous pouvons plus de ni bois. Et il y a encore bois de gilet. Il va boire avec son maman, il boit biberon. Et il sert à couche. Quand il y a mon bébé, il reste prêt avec moi. Hein? Mais il a quand même mes cavanes. Mais là, mon père de manie, il a crié, il croyait 7 mois de salarité, jusqu'à demain, pour guetter contre mon cavalier. Parce que mon cavalier, c'est mon maman, ils ont pas dormi dehors, il est trop petit. Puis ça va faire une pressée. Nous n'avons pas de l'argent avec personne. Il va nous dire si nous sommes avec nous, côté nous, quand nous avons gagné pour nous servir, puis nous avons mangé, c'est tout. Dans le reste de l'actualité, pas d'enthousiasme lors du début de la campagne de vaccination pour la troisième dose du vaccin chinois Sinopharm qui a débuté aujourd'hui. Les 11 centres de vaccination ont ouvert leurs portes à 9h ce jeudi, mais peu de personnes ont fait le déplacement, parmi certaines qui n'avaient pas complété les 4 mois nécessaires pour recevoir ce vaccin de rappel. À Mer Rouge, Plaine Verte et Coromandel, le scénario était le même. Christina Nélan. Vous voyez qu'on a un problème. On a devenu paralysé d'un côté. Vous allez venir, vous allez au ministère, pas au niveau de la vie. Non, troisième. Deux, nous faire. Troisième, pour faire. Qui faire? Nous, faire. Troisième dose, non. De la MAC, parfois, il gonfle dans la mythe, tout ça là. Il a déjà, si nous faisons deuxième, nous faisons troisième. Il a déjà, vous êtes pire. Voilà. Non, mais ça dépend de la personne. Pourquoi? Il dépend de la personne, chaque jour, envie. C'est le métier. Il y a une protection, ça. Mais plutôt, vous nous apprenez une protection, non? Parce que malade, il peut plus aller, il peut aggraver. Vous trouvez, mais plutôt, ça qui peut faire ce vaccin, il faut les manières. Et moi, comme moi, je viens de faire deux vaccins de Sinopharm. Donc, je vais faire ma troisième dose très bientôt. Donc, je peux pas couper. Si je perds, c'est un risque que je vais prendre, je même. Donc, j'ai besoin. Faire le vaccin pour une prévention. Par ailleurs, 102 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés ce jeudi. 94 personnes ne présentent aucun symptôme alors que les 8 autres ont été admises à l'hôpital INT à Vakua. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres du ministère de la Santé. Dans une semaine exactement, ce sera la réouverture totale de nos frontières. Maurice retrouvera son image de pays hôte et accueillera les touristes venus en vacances après 18 mois de fermeture de nos frontières en raison de la COVID-19. Nos plages, nos rues et nos marchés s'apprêtent à renouer avec ces étrangers venus passer du bon temps chez nous. Une réouverture qui donne lieu néanmoins à certaines appréhensions. Dans les rues, les sentiments sont mitigés, idem dans les commerces. Reportage signé Karsol Karim Abdullah, Anna Corim Bokos. Au marché central, l'ambiance risque de changer dans une semaine. Après des mois à attendre vainement les clients, les premiers touristes visiteront la section artisanale. Des gens n'ont pas de travail, vous savez. Et là, nous avons des frontières ouvertes, c'est une grande affaire pour nous. Parce que déjà, nous avons besoin pour nous. Les affaires masses, tout ça là, était bon. Après, nous ne connaissons pas le travail, comment on peut être ici. Pour la réouverture, moi, j'espérais le travail pour reprendre. Des côtés sécurité, nous avons besoin de masse bien. Parce qu'on peut travailler en public, si nous sommes malades, nous sommes malades à la case. Envisager, pas juste moi tout seul. Moi, on a 100 000 familles bon, là, qui vivent au touristique. Vous pensez qu'il y a une scène, hein, il y a une économie forte pour les pays. Mais c'est moi, nous pensons qu'il y a de l'espoir. Bon, un an et demi, nous avons de l'espoir, mais nous espérons que ça décolle vraiment. Réouverture du pays rime avec aventure pour ces touristes qui viendront découvrir la beauté du pays. Les taxis, bien qu'ils ont vu leurs revenus diminuer drastiquement avec la fermeture des frontières, ne sont pas pour autant ravis de cette relance du 1er octobre. Moi, pas pour travailler en tourisme, mais capable d'amener le roi de l'Arabie Saoudite. Moi, pour une grande merde, moi, pour travailler avec mon petit Mauricien qui me connaît 100% pour être malade. Malade là, il est là. Nous avons besoin de prendre nos précautions. Nous avons besoin de travail pour nous gagner la vie. Parce que nous avons une famille pour vivre. Nous avons besoin de travail. C'est comme ça. Inquiétude pour certains, incertitude pour d'autres. Le taux de contamination et de décès, en tout cas, avant cette levée des restrictions, n'est guère rassurant pour les Mauriciens.
Nous pouvons faire travail, c'est grâce à nos touristes, mais ce que nous devons faire, nous faire nos vaccins et nous protéger nous bien envers les autres. Mais ce qui peut perdre, il peut perdre, comme je me dis, franchement, mais nous devons ça pour nous capables d'améliorer nos péris. Moi, je pense que nous devons ouvrir aussi, puisque nous payons beaucoup de cas. Mais avec les touristes, peut-être nous gagnons un nouveau variant, il peut augmenter. Et puis, un touriste pas pour faire cette quarantaine, pour promener partout. Il est un fait que la peur que des variants étrangers arrivent dans la communauté hante déjà les esprits. La digitalisation de la carte vaccinale prévue pour la semaine prochaine, annonce du ministre des TIC, Deepak Balgobine, cet après-midi. Il précise que des essais sur des prototypes sont actuellement en cours. Deepak Balgobine participait au lancement d'une Certificate Authority Mosign à Eben. Et avant ce démantèlement, je me disais que la passe digitale, très prochainement, d'ici la semaine prochaine, nous pour lance vaccination digital pass pour qui tout bandimoun jeter dans ce passe digital l'eau en papier je quand imprime li ou le téléphone à travers site Bisef Maurice pour qui éventuellement après gouvernement pour annoncer qui système pour là après l'ouverture du 1er octobre. Est-ce qu'il est obligatoire, il n'est pas obligatoire, il peut dans le restaurant, il peut dans l'hôpital. Nous ne pouvons pas finaliser. Mais mon cas, il y a d'autres qui m'ont un peu en retard parce que je suis dans le high level, comme je disais tout à l'heure. Nous pouvons finaliser les modalités, la régulation qui besoin faire, par exemple, et comment vous servir éventuellement public au large. Donc, la code vaccination digitale, nous arrivons presque, moi besoin de dire, la fin de l'exercice et nous pouvons faire un testing, nous pouvons checker un coup de tout l'aspect technique. Les 800 employés d'Hermet Limited seront fixés sur leur sort le 30 septembre. Une watershed meeting est prévue 2 jours après celle d'Air Mauritius. Tout comme pour MK, les créanciers devront décider s'ils sont en faveur du plan de redressement préconisé pour cette filiale. Pour Jean Ragou, négociateur syndical de la CTSP, les employés d'Hermet Limited vivent avec une épée de Damoclès depuis plus d'un an et demi. Les employés de cette filiale d'Air Mauritius, dit-elle, vivent toutefois avec la crainte de se retrouver au chômage. La syndicaliste espère que les créditeurs prendront la bonne décision pour maintenir les emplois. Tout pour donner mes créditeurs, j'espérais que je peux prendre la bonne décision pour comprendre qui dit mon mental well-being inaffecté et qui je peux vivre loin de stress permanent et qui n'arrive l'air pour qui tout ça l'a arrêté, qui autant que possible sauve ban l'emploi parce qu'il est dans une situation difficile avec Covid et tout. Surtout ban travailleurs Hermet qui c'est ban dit mon qui est moins payé. Je fais le même travail que tout ban les autres groupes dans Air Mauritius, mais c'était je tout le temps je suis left behind, comment nous dire, et je finis tout le temps souffert d'une discrimination. Ben, nous pensons qu'il est bizarre, quelque part, et qu'il ne peut pas respirer, comment nous dire, et qu'il s'est mal travaillé là, je suis sorti dans sa stress perpétuel. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.